Bonjour Claire. Bonjour Corinne. C'est donc ici la maison natale de Paul Claudel. Il est né ici le 6 août 1868, donc à Villeneuve-sur-Fère. Dans cette maison. Dans cette maison, dans la pièce qui se trouve tout en haut à droite. D'accord, on va découvrir avec vous du coup. Oui, bah bienvenue. Le Tardenois, le pays natal des Claudel. Ce presbytère du 18e était leur résidence d'été. La maison est ouverte depuis peu aux visiteurs. On est dans un lieu où on marque l'empreinte. On veut faire comprendre que c'est ici qu'ils ont commencé tous les deux, l'un à écrire et puis l'autre à sculpter. Un lieu d'évocation plus qu'un musée. Ce petit buste de plâtre est l'une des deux œuvres originales de Camille Claudel, visible ici. Diane, c'est la pêcheresse et en général, c'est des figures qu'on fait beaucoup en sculpture. C'était vraiment un grand bonheur de la voir puisque ça correspond aussi au début dans la sculpture de Camille. Donc c'était idéal que ça tombe ici. Ouais. Juste au retour des choses. Voilà. Voici Paul à 37 ans, sculpté par sa sœur. Le premier étage retrace le parcours de l'écrivain diplomate qui s'est éloigné du Tardenois, sans pour autant avoir oublié le pays de son enfance. Et je me revois à la plus haute fourche du vieil arbre dans le vent, enfant balancé parmi les pommes, l'œil fixe comme un corbeau. Je dévisage la campagne déployée sous mon perchoir. Je n'ai qu'à monter à cette branche et dépassant le mur, je vois devant moi tout le présent. Je demeure immobile et de temps en temps une pomme de l'arbre au choix, comme une pensée lourde et mûre. Marcher dans les pas des enfants Claudel, c'est aussi monter à la hauteur du diable. On peut imaginer que Paul et Camille ont emprunté ce chemin. Exactement. Moi j'en suis convaincue à chaque fois que je viens. Un lieu unique en son genre, sur cette butte de sable clair, un chaos de blocs de grès, des sculptures naturelles. C'était une grande source d'inspiration, puisque quand vous êtes enfant et que vous avez tout ça sous les yeux, il y a un infini champ de possibles, enfin, que ce soit pour une sculptrice ou pour un écrivain. Je trouve ça assez grandiose. Ouais. On sent que vous êtes attachée au lieu. Oui, très, mais comme beaucoup de gens ici. C'est vraiment un lieu où on vient se poser, écouter la nature. Écouter la nature, contempler ce paysage intact, celui qui a marqué les premières années de leur vie d'artiste.